Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour un unboxing, cette fois-ci de chez Taiwan Gum. Donc il y en a pour un peu plus de 400 euros et j'ai fait une commande en fait avec un ami à moi. Donc il sera pas présent pour l'ouverture, mais c'est pas grave. J'expliquerai en partagé qui était à qui. Donc je vous passe le moment de l'ouverture du colis un peu ennuyeuse. J'ai ouvert le colis, donc là au premier abord, on peut observer qu'il est vraiment très très bien rempli. C'est plutôt bien protégé. Bon, après, j'ai vu pas mal d'unboxing de Taiwan Gum, je suis pas très étonné. Donc, j'ai commandé pour moi déjà un chargeur pour mon SCAR supplémentaire, donc un chargeur WE 30 balles pour à gaz, hein, un bac, donc c'est des chargeurs normaux, c'est ce qu'ils vendent uniquement chez WE. J'ai commandé une ceinture, donc ça, je sais pas si c'est la mienne ou. Je pense que c'est la mienne, c'est la Coyote. Donc, une ceinture pour poser le holster et etc. Donc j'ai commandé aussi une mallette de transport, ce qui va me permettre en fait de ranger le SCAR. Donc j'ai pris en TAN, ce qui va me permettre clairement de bien ranger tous mes chargeurs. J'ai pris, enfin c'est TAN Coyote en fait, mais ça se marie bien avec mon SCAR. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Donc je la découvre en même temps hein, du coup. Ah ouais, franchement c'est bien, elle est propre. Franchement elle a... au toucher ça a l'air vraiment solide, c'est du nylon. Et non, franchement c'est robuste, c'est pas du cheap, c'est vraiment pas cheap. Ouais, le système de fermeture est vraiment bien. On voit que quand c'est fermé, ça bouge plus. Bon, je mets ça de côté. Donc j'ai commandé un gilet Coyote, Coyote pour moi, entre c'est du Coyote et du TAN. Enfin, ma tenue c'est vraiment mélangé entre Coyote et TAN. Alors. Donc en fait c'est un plat de carrière, donc c'est vraiment tout simple, mais ça donne vraiment un rendu, je trouve vraiment esthétiquement c'est très très beau. Voilà, donc bien entendu avec ce gilet j'ai acheté des poches, hein. Je vais mettre de côté. Donc il y a un casque, que ça c'est pour mon ami qui a acheté un casque, donc camo, je sais plus c'est quoi son camo, mais il a acheté un casque avec un camo, ouais, c'est de bonne qualité, franchement c'est bien. Ensuite, des lunettes, enfin un masque protégé pour mon ami, je vais pas le déballer mais c'est une couleur olive, moi je suis pas fan, c'est pareil, ça va être sur sa tenue. Alors ça si je ne me trompe pas. Bon, ça je sais pas du tout ce que c'est. Je sais plus du tout, ça c'est. Ah ouais, ça c'est la poche qui... J'ai acheté une poche à côté de ça pour ranger éventuellement mes bouteilles de gaz ou je sais pas, mes chargeurs, enfin tout ce qui peut me passer par la tête, c'est pour ma tenue aussi. Donc toujours en couleur TAN Coyote. Donc ça c'est mes porte-chargeurs, donc ça va avec ma tenue, c'est pour le plat de carrière comme je vous ai dit. Ça se fixe dessus, en plus c'est de la même marque, c'était 8 fils la marque. Ensuite, bon ça on y revient, ça c'est un truc, c'est une espèce de voile camo pour mon ami, pareil, hein, c'est toujours dans son camo lui. Hein. Donc ensuite on a un gilet, pareil, lui je vais pas le déballer, mais on a un gilet, donc pareil, je ne vais pas vous dire le camo, je le mettrai dans la description, mais c'est son camo, c'est un gilet pour son camo. Voilà. Ensuite on a sa tenue. Donc pareil, je ne saurais pas vous dire quelle est cette tenue, mais toujours dans le même coloris. Hein. Il a acheté, il me semble, un point dans le même coloris. Et ensuite, on s'est pris chacun un BB loader. En fait, c'est un BB loader. On n'a pas voulu prendre le truc vraiment top. On a pris vraiment un peu celui qui était plus beau esthétiquement. Ce qu'il y a de bien, vraiment, c'est qu'il propose en fait deux types de chargement. Du coup, j'en ai commandé un deuxième. Ça, c'est celui de mon ami. Hop. Moi pareil, j'ai acheté une sangle 1 point, mais du coup de mon coloris de camo, donc TAN Coyote, voilà, bon c'est classique. Hein. Donc des billes, ça c'est les billes de chez Taiwan Gum il me semble, donc c'est du 0,28 g. Hop, c'est pour aller avec la M4 que je vous ai présentée dans l'unboxing la dernière fois. Et donc ça c'est le cadeau de chez Taiwan Gum, j'ai la possibilité de choisir en fait un sac qui va permettre de protéger la réplique. Donc en fait c'est un sac... type, je sais pas c'est quoi comme matière, mais du coup ça me permet à la fin de resserrer comme ça, c'est bien serré. Bon. C'est rudimentaire, hein, mais c'est mieux que rien pour protéger la poussière, j'imagine en partie ou ce genre de choses. Donc hop, ça c'était offert. Et on a à la fin donc deux batteries pour la M4
4, ça c'est pour mon ami, il a acheté deux batteries pour en avoir deux, comme ça. Comme c'est des petites batteries, c'est que des 1100 mAh, ouais. C'est pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup d'autonomie, donc il a marché. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour du colis, ouais, carrément. Bon voilà, ben, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour d'autres vidéos.